Coucou, mais voilà pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon installation pour l'instant d'atelier. Je vais commencer cette première prise en main. Du coup, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué, je commence une formation avec à distance pour devenir céramiste. Et donc, il faut s'installer un atelier à la maison. Enfin, bref, il faut avoir un atelier quoi. Et donc, en fait, ça fait longtemps moi, que j'ai pas tourné, donc ça me fait un peu bizarre. C'est parti, je vous montre. Donc, du coup, balance, petits outils ici. Et évidemment, la terre. Là, j'ai un. En fait, j'ai une planche. J'ai ces deux planches de bois. On va voir si j'utilise les deux. Je voulais un plan de travail, mais j'ai trouvé que ça. C'est une planche de bois brute pour préparer la terre. Mon fil à couper pour préparer la terre. Et puis tout bêtement ici, en bonne position entre trottinette, congélateur et placard, mon tour et un seau d'eau. Donc petite installation de fortune, petits outils, etc. Et puis bah, c'est parti, hein. On va commencer tout de suite avec et bah, du coup la préparation de la terre. Donc il faut que je m'entraîne à tout en fait, il faut que je m'entraîne au battage, parce que j'ai plus fait de battage depuis longtemps. Il faut que je m'entraîne un peu toutes les étapes. Hop, on va s'y prendre autrement, car je n'arrive pas, bien sûr. Sûr, on va essayer d'éviter d'en mettre partout. Hop, hop, hop. Et on va dire qu'apparemment. Ça tient. Ok. 300. Hop. Hop, je peux éteindre ça. C'est la technique du bélier. C'est une technique de battage de la terre. Et ben, il a un peu de sale gueule, mon truc là. Donc en fait, ça fait des trous là. Le but, c'est de préparer la terre pour qu'il n'y ait pas d'air dans la terre. Bon, on va tester comme ça. Voilà. Ça me fait trop bizarre. En fait, ça me rappelle trop de souvenirs, quoi. Genre. Donc là, j'ai collé la balle de terre. Donc là, je peux. Ensuite, je vais faire mon fond. Ok. Donc ensuite, il faut que je monte mes bords. Là, je sais plus, mais c'est ça, hein. En fait, je peux venir soit comme ça. Voilà, là je me laisse complètement faire par la terre parce que c'est pas du tout assez humide.
Bon, bah voilà. Yes. Je ne sais pas quoi faire. Faut recommencer. Ma merveille. Bon bah on recommence hein. J'espère qu'on va faire un truc correct aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Bon, on va dire que le bas en haut là, on s'en fout. Je fais de la merde. Mais. Ah, mais ce truc qui tombe tout seul. Ok. Non, d'abord ça. Ensuite ça. Propre et sèche. Et je vais. Ok. Allez, dernière tentative pour aujourd'hui. Je vais pas savoir si je tourne trop vite, trop doucement. Je pense que je tourne pas assez tard. Insupportable. Bon bah voilà la merdouille que j'ai faite. Je vais couper celle-là quand même pour regarder comment c'est dedans. Prendre une ou deux photos pour montrer. Et puis bah, ranger ça. Ok. Voilà, le désastre. Ben ouais, je vais voir ce que les profs disent. Et puis ça, bah c'est de la merde. Hein. Bon, je suis un peu dépitée là parce que c'est dur, j'arrive pas à maîtriser. Bon, évidemment j'arrive pas à maîtriser, mais j'arrive pas à maîtriser l'eau en fait. Et je fais trop fin. En fait, je tourne une trop petite balle de terre, je pense. Bref, j'ai toutes les excuses de la terre. Voilà. Je vous retrouve pour une autre session. Je ne sais pas quand, peut-être une autre fois. C'était ma première session de tournage sur mon nouveau tour.
avec voilà, avec tout le caca que j'ai fait. Non, ça va encore en fait, mais bon, bref. Allez, à une prochaine. Ciao.